Les relations amoureuses à distance, et si on en parlait? Et dites-nous, les relations amoureuses à distance, vous avez déjà essayé une fois? Bon, on peut dire oui. Ah, et qu'est-ce que ça a donné finalement? D'abord, je ne suis pas d'ici, quoi, donc je suis Gabonais, donc je reviens du Gabon normalement. Et puis bon, ma première copine, bon, je ne suis pas de ma première, ma seconde, c'est quand j'ai eu le bac, on s'est connus quand j'étais en terminale. Donc, elle était, je crois bien, en première. Donc, de telle sorte que bon... On a juste fait une période de 4 à 5 mois ensemble avant que je ne puisse annoncer mon voyage, avant de venir ici. Mais déjà, il y a une bonne affinité entre nous. C'est ça l'important d'abord, d'après moi. Donc, vous avez confiance en celle qui est au Gabon, c'est ça? Ouais, j'ai totalement confiance. Bon, on va pas dire totalement, mais il y a une partie de ma confiance qui est là-bas. La relation amoureuse à distance, bon, je ne sais pas comment je vais l'expliquer. Là. Sinon... D'autres fois, la relation à distance, là, les relations amoureuses à distance, ça ne se fonctionne pas normal, des fois. Ça vous est arrivé d'essayer une fois? Bon, à beaucoup de reprises même. Beaucoup même, quoi. Et la fille était où et vous, vous étiez où? Bon, toujours venez ici. Mais moi, je suis à Banté et la fille à Parakou. Bon, on s'échange, on s'écrit, on parle. Subitement, elle m'a dit qu'un jour, que lui ne fait pas aller avec moi. On s'est séparés, comme ça, quoi. Donc, un beau jour comme ça, il vous a fait goumer, cadeau. Donc, c'est ça. Effectivement, ça. Moi, personnellement, ça crée un fossé entre les couples. Par exemple, je suis au Bénin. Mon petit ami, il est en France. Je décide d'aller le rendre visite. Et je vais là-bas, je me rends compte que, en fait, il est avec une autre fille. Ça fait vraiment mal au cœur. Hein. Moi, je suis personnellement contre. Contre pour les relations amoureuses à distance, c'est ça? Pourquoi vous êtes contre? Si je suis contre, c'est parce que quoi? Un homme qui vit très loin d'une femme, ça peut attirer autre femme. C'est-à-dire, si l'homme n'est pas proche de celui qui prétend aimer, automatiquement, quand il voit quelqu'un d'autre, il va tomber sur le charme. Oui, je peux dire que je vais essayer parce que déjà on se connaît, déjà on a l'habitude de parler, de discuter bien avant qu'il ne voyage. Je suis pour. Vous êtes pour les relations amoureuses à distance, c'est ça? Oui. Mais pourquoi vous aimez les relations à distance? En fait, moi j'aime pas quand genre, on est en relation et puis j'en sais trop collant. Genre, après, genre, on se lasse. Enfin, on se lasse vite. Mais quand vous êtes à distance, là, l'amour il est. L'amour est comment? Il est là, vous vous dites que wesh, genre même si je le vois une fois en passant, faudrait que genre on soit, j'ai pas envie de le laisser et tout, mais quand vous êtes ensemble tout le temps, tu te dis à chaque fois, oh non, encore lui, c'est ça quoi.